DJ Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi beton Tangwe koki yo 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 Tangwango yango yo ye koki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oye ye Bien, merci beaucoup Tango et Koki, Mbote, Bandeko Balandi, Bozui, Libaku, Yakolanda Biso, Bisikanyon, Sobozwami, Nanzela, Ya Allo, Allo Nabino, Na Zaline Sengo Mingi, Ya Okuta Nabino Lissusu, Mokonalelo, Tatan Zambe, Ya Pesim Sousu, Makasi, Mokonalelo, Tikaite Kombo Naye, Ezwa Lokumu, nous sommes Tango et Koki, nous sommes une chaîne, Oye Tozaliko Sungabino, pour Nakope Sabino. Ma information, nous allons dans la République démocratique du Congo. Nous sommes dans la capitale, notamment de la République démocratique du Congo. Nous sommes à Kinshasa. Na pesi bino mbote, bino ba ebozali na Canada, maman Mélanie, na bo sanité, bande ko bazana États-Unis, bande ko bazana France, na Belgique, na Grande-Bretagne, na bo sanité bazana Afrique du Sud, na Océanie, partout, na niveau ya Qatar, na Arabie Saoudite, pourquoi pas, les Congolais qui se sont déplacés pour la kokende na niveau. Il y a Chine, Koson Babilon, on a Dubaï et puis Koson a pour la Koya Koteka. N'a pas si bien le sou Mbote. Donc on a les autres, on a un peu Makambo et Tali, changement. Il y a constitution, mais également, on nous parlera que Vital Kamerhe accusé de bloquer une pétition de plus de 100 000 signatures de l'ASBL, le changement pour la constitution. Donc le changement de la constitution. Asbel Moko na Kinshasa Awa ba récolté plus de 100 000 signatures. Alors, dans les 100 000 signatures, on accuse Vital Kamerhe ya ko bloquer ba signature Oyo pour que processus makambo etali nenge constitution eza ko senga pour changement ya constitution et salamate. Ça c'est le premier sujet autour solana bino. Donc, mais qu'on analyse pourquoi Vital Kamerhe a zali ko bloqué ba signature ou ezali ya ba congolais oyo bandimie que changement ya constitution et salement. Mais pourquoi le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe a bloqué ba signature ou ezali ya ba congolais ezali initiative oyo bango baza d'accord pour na koluka ko changer constitution. Donc koluka un peu tout analyser pourquoi le président Vital Kamerhe a zali ko bloqué signature oyo ya ba congolais. Alors, tozali ko évolué. Changement de la constitution. Joseph Kabila Kabange annonce une adresse face à la nation ou devant la nation congolaise. Depuis là où il séjourne, Joseph Kabila Kabange a l'obie que Essengeli a se prononcé, a s'adresser devant la nation congolaise, mais également ba pesibiso un peu Makamboni ni Joseph Kabila a kolobe la yango. Alors, tozali bwana pour na couper Sabino information, to komeka un peu kokota, il aura aussi un audio oyo ezali fuité oyo Joseph Kabila Kabange a pesi déjà point de vue na ye, to komeka couper sa yango bino audio wana bo komeka un peu kolanda yango. Alors, en dehors de cela, on nous signale que les militaires notamment du M23 recrutés en Ouganda et au Rwanda ont été tombés dans une embuscade, notamment par le jeune résistant de Wazalendo. Là, nous sommes dans les territoires, notamment au Ezali, territoire Yaruchuru. Balobie ke Ezali na Mutuka, Oyoyo, notamment au Ezali ya Ouganda, n'est-ce pas? Oyo et Kweibongo na Maboko, notamment ya ba jeune résistant. Nambiscade yaba wazalendo. Voilà un peu nos trois sujets oyo toko solana bino mokono alelo. Mais avant tout nakolinga je ne sais pas est-ce que ndeko na biso Gim Sexy il est avec nous. On venait de nous signaler que comment on appelle ça, la mausolée notamment de Emery Patrice Lumumba ezali bongo attaqué na niveau ya commune ya limité wapi place batiaki une partie du corps ya héros national labiso. On nous signale que cette mausolée qui a été honorée notamment Lumumba qui a été honoré par le chef de l'État
la mausolée notamment, ou le mausolée si vous voulez bien, Zali Bongo attaqué par des personnes non autrement identifiées. Mais en attendant, tous ont la précision et l'information. Nakosenga Bongo, na zela ya technique kuna soki nde konabiso Gims akozala pre pour nako pesa biso notamment ba image botala ndenge nini ba attaquer mozole oyo ezali ya Emery Patrice Lumumba. Est-ce que nous sommes une république oyo ezali ya ko saboter notamment ba valeur, parce que Lumumba n'est pas n'importe qui. Mais si on a commencé déjà à attaquer le valeur républicain, alors nous sommes un peuple perdu. Tous les peuples moro toujours koyé ba place au utité, toujours koyé ba place to zaté, place to kene to yébité. Alors maître Gims au rosunga biso dans la technique total la vidéo oyo bongo tozonga to meka un peu ko kenda na banalise na biso. Alors en attendant vidéo ezali koleka, moi je vais seulement vous demander ya kota la vidéo wana botala, comment la mausolée ya Emery Patrice Lumumba, place oyo batia une partie du corps ya Emery Patrice Lumumba, ezali bongo attaqué. Jusque là nano tozu ba précision te par la dépravation oyo ezali ya ba valeur, ezali ya ba mers na mboka na biso. La vidéo que vous êtes en train de voir, chers compatriotes, c'est là où on avait placé une partie du corps, notamment le dent. Oh, ezalaki une dent. Il y a Emery Patrice Lumumba. Oh, ezalaki na Belgique. Tango babomi Lumumba. Awa. Une partie. Il y a Mino nae anzoto nae. L'un des militaires. Oh, yazwaki sentiment. Pour la koume mayango na niveau ya Belgique. Kokende kolaksa réellement que Lumumba a été assassiné. Mais l'une ya Lumumba. Ba limuisa ki yango te. L'une ya Lumumba ba garda ki yango. Alors, au moment où nous vous y allons, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, andimaki penza eke mikoleleki akende kozwa mino ya Lumumba amema yango na Congo, avec la présence, la famille et la représentation oezalaki ya famille royale, et puis oezalaki ya famille biologique ya Lumumba na famille politique naye bazalaki wana oezalaki eke Emery Patrice Lumumba azala honoré. Mais na niveau ya échanger place batia l'une ya Lumumba, on est un peu surpris. Ya komona na mokona lelo bayebi sabiso ke la mausolée ou alors le mausolée ya Emery Patrice Lumumba eza bongo attaqué. Wana boza komona ce sont des vitrines qui sont attaquées, qui ont été cassées. Jusqu'à présent nous n'avons pas encore de précision sur cette information afin de savoir. Mais ce qui m'étonne un peu, surtout le bido ça l'analyse, l'échangeur ezali endroit moko ezali vraiment sécurisé. Aujourd'hui, échanger et alimenter pour la rokende kokota na kati fo zo accès. Même atana mona ka ba activité et sala makawana ba mariage, il y a des conférences, débats et sala makawana, il y a des expositions culturelles et sala maka. Alors notamment tango ba organiser ki francophonie, ba sala ki pe ba activité wana. Mais kokende ti ko ma place une partie mine Lumumba ezali pour la rokende ko attaquer. Moi je pense que ezali acte moko ezali prémédité. Ça moi je pense que ezali acte moko bato ba réfléchir ça qui déjà ba kei ko attaquer mino o ezali ya Lumumba. Boza ko mona na vitre et panzani, et puis apparemment même les cercueils place mino ya Lumumba ezali apparemment ezane teza bouger. Apparemment ne teza ya ko fongwa. Je ne sais pas. Est-ce que objectif ezala ki bazwa mino wana ba kende nango? Ba kende ko sala nango na ebite soki nini mino ya héros national na biso. Lumumba si a koufa déjà pour na Congo. Lumumba si a kenda déjà. Oya sala pour na Congo et koki. Mais esengel botika quand même Lumumba va na kimia. Ko kende kozwa mino ya Lumumba. Pour na komemango na destination moko inconnu. Na yebite tozali batu modele nini. Tozali banani vraiment. Pourquoi lelo oyo ba valeur ya mboka na biso toza ko ninga ko protéger yango te. Comment aller attaquer notamment à des valeurs. Lumumba est une référence. Lumumba est une valeur. Lumumba c'est une obabengaka le symbole oyo ezali ya ba indépendantiste. Lumumba c'est une représentation de valeurs des indépendantistes, de valeurs de ceux qui se sont bâtis afin de voir que le Congo nous devons pas toujours être entre les mains notamment des multinationales mais également des colons belges.
Lumumba a accepté de mourir, de donner sa vie de la même manière comme Jésus-Christ a fait ça qui en haut pour na ba Christ, pour le monde entier. Na niveau ya monde, Lumumba pe andimaki ke akufa pour na Congo. Mais le loyo kokene komona mino ya Lumumba na makamonenge salami boy, chers compatriotes, moi Mara Bobola, je suis en train de condamner avec une fermeté, avec la dernière énergie, avec un regret le plus suprême, l'acte qui a été posé d'aller attaquer le don ou alors une partie du corps de Lumumba. Nous ne pouvons pas être un peuple qui est notamment en train d'attaquer les valeurs. Nous devons être un peuple qui préserve les valeurs républicaines, qui préserve les valeurs démocratiques. Et Lumumba, c'est le symbole. Oyo ezali à démocratie, Lumumba ezali symbole ya ba indépendance na mboka na biso. Donc bato ba sali biloko yo, moi en tant que combattant pour la liberté et combattant contre les antivalets, je ne peux que demander au chef de l'État, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, mais qui est la représentation de l'indépendance de notre pays, ya ko mener ba enquête. Bato ba sali biloko yo ba kanga bango, ba pirger ba peine na bango et puis ba déférer bango devant ba juge naturel na bango. Parce que biloko abo eza biloko ya ko supporter vraiment te. Lumumba a déjà fait beaucoup pour notre pays et on doit laisser Lumumba se reposer en paix. On doit laisser Lumumba vivre en paix et que l'âme de Lumumba puisse se reposer en paix. On ne peut pas accepter que mino a Lumumba ba yiba yango ba ke nango soki wapi. Merci beaucoup. Alors, chers compatriotes, ndenge to yebisa kibino, ça fait déjà un moment donné, les débats autour du changement, la révision de la Constitution continuent notamment à faire la rage sur le plateau de télévision Nambo Kanabiso. Le chef de l'État annonça kango déjà, je crois que c'était déjà avant, tango akendaki na niveau ya Kisangani, le président de la République de la province ya Tchopo. Aloba qui est que Esengeli to changer constitution pa mbate ezali constitution ya bapaya ezali na makambo ya mabe ebele na kati. Chef de l'État alongo Kisangani ya Zongiawa, le président sali voyage a kei na niveau ya Lubumbashi. Le chef de l'État alobi est que commission moko kozala mise en place pour na ko étudier une commission interdisciplinaire au sujet ba sala environnement, ba sali santé, Batoba sali science pro, batoba sali relations internationales, batoba sali anthropologie, batoba sali sociologie, batoba sali science politique, batoba sali économie, batoba sali quelle science encore, batoba sali droit, ba constitutionnaliste, batoba sali esthétique et consort, batoba sali sécurité, ba sangisa bango pour na ko évaluer comment to koyi kozwa mobeko li konzi yasika. Mais on accuse Vital Kamerhe. Vital Kamerhe balobi que a bloqué plus de signatures, plus de 100 000 signatures à ba congolais. Oh, il va quand même déposer l'Assemblée nationale pour na ko proposer ango et pas na ba représentant du peuple pour na ko luka ndenge nini constitution na biso et ko yikoza la changer. Parce que la constitution ezali ko pe sa possibilité. D'abord ya liboso et pas na mutu ba bengi ba congolais. Il faut qu'il y ait plus de 100 000 Congolais. Oyo ba kotia mokoloto na bango. Po na kokende ko étudier, ba déposer en assemblée nationale, soit na parlement. Po ba représentant du peuple, ba meka ko travailler. Ndenge ni ba koyoka changer constitution na biso. Ça, c'est la première possibilité. Et c'est dans cette possibilité que y a eu ce qu'on appelle Inasibel. Oyo ba travailler, ba zui 100 000 signati, ba kende ko déposer en gros depuis quelques mois. L'Assemblée nationale et que le président Vital Kamerhe a zali ko bloqué signati oyo ezali yaba congolais bandimie que constitution na biso ezala changer. En dehors de cela, la constitution a coupé sa possibilité par la chef de l'État. Na article 218 ya constitution alinéa 3 na premier alinéa yango balobi que la constitution est coqui kozala pe réviser et à la initiative par le chef de l'État, par le président de la République. Yango, mon chef de l'État, azali kousala, oba bengi, ezali suko cheval de bataille nae, pon na koluka kope sa peuple congolais mbo kanabiso, constitution, o ezali yamalamu, o eko kadre,
notamment dans ma valeur et puis na ma réalité quotidienne na biso. Mais pourquoi Vital Kamerhe azali ko bloqué pétition signature oyo ezali ya ba 100 congolais? Est-ce que le président Vital Kamerhe azali bongo contre volonté à chef de l'État? Parce que tant que Vital Kamerhe azali ko telemela ba signature oyo ya ba congolais ba dimi que constitution ezala changer. Ça veut dire que le président Vital Kamerhe azali te d'accord, azali d'accord te na initiative au chef de l'État azui ya ko changer constitution na biso. Oui. Moi je pense que Vital Kamerhe azali d'accord te na initiative chef de l'État azui. Parce que tant qu'on a bloqué plus de 100 000 signatures. Oyo ezali ya ba congolais. Bandimie que constitution ezala changer. Ba congolais ba lobi te que non. Et Sengeli constitution est à la modifier. Te. Ba lobi que constitution est Sengeli est à la changer. Alors Asbel wana ba kei ba récolter 100 000 signatures. Ndenge constitution est à kosenga. Ba déposer en assemblée nationale. Mais Vital Kamerhe aza kondimate que azwa 100 000 signatures wana apesa yango ba député ba sala musala na bango a présenter yango na plénière. Ça veut dire que Vital Kamerhe azali kozala d'accord te na makambo etali changement ya constitution. Nathalie tweet moko ndeko moko akomaki alobi la position oyo ezali ya ba membre ya présidium ya Union Sacrée, notamment ya président Bemba, ya président Vital Kamerhe et ya bande komususu obazali bakulutu na biso na kati ya Union Sacrée laisse à désirer. Pourquoi jusqu'à présent bazali ko se prononcer te na makambo etali changement ou bien révision ya constitution? Je voulais apporter une précision de taille. Le président Modeste Bahati Lukwebo ndenge bolandaki alobi ke na mboka na biso tozali na problème ya respect ya ba texte, tozali na problème o ezali ya batu oyo bakoki ko faire respecter ba texte wana. Soki ba changer ba texte et que ba changer ba touté, est-ce que constitution est-ce que tokosala eloko ya malamu? Alobaki yango ezalaki na occasion ya ba travaux généraux ou les états généraux ya makambo etali les états généraux ya justice na biso. Bato balobi non Modeste Bahati Lukwebo ye apesi position na ye o ezali contre changement ya constitution. Vidéo bozali komona ezali kotambola ezali vidéo Modeste Bahati Lukwebo, le président de l'AFDC allié autorité morale, le président de deuxième vice-président du Sénat, ya alobaki yango na occasion où ezalaki les états généraux de la justice. Quelle thérapie ya kopé ça na justice na biso et quel remède, parce que la justice congolaise elle a été malade depuis quelque temps. Mais awawa le président Vital Kamerhe balobi a bloqué plus de 100 000 signatures. 100 000 signatures ya ba congolais. Eza ko soufri na tiroir ya Vital Kamerhe. Le président Vital Kamerhe, toza ko senga na yo, bimisa ba signature wana et faciliter tâche ya makambo etali ko mettre en place une commission oyo ko senga ke chef de l'État azwa possibilité à travers cette commission pour na koluka ko changer constitution. Alors, lorsque Vital Kamerhe azali ko bloqué ba signature oyo, ezo la ksa déjà que Vital Kamerhe azali d'accord te. Na makambo yonso chef de l'État za ko sala wana. Chef de l'État ke kisangani. Vital Kamerhe alobie ke eloko wana ko sala mate. Tokei ya wana nivou ya Lumbashi. Vital Kamerhe alobie ke eloko wana e ko sala mate. Po na ye constitution ba ko ko changer yango te. Tok zalaki na accord o ba bengi ya Nairobi. Le président Vital Kamerhe na président Tshisekedi ba signaki accord ba bengi ya cash. Vital Kamerhe a soutenu Tshisekedi azwa bokonzi na 2023. Tshisekedi a dit qu'il a payé Vital Kamerhe pe azwa bokonzi, chose qui a été violée notamment par la volonté à yemoko Vital Kamerhe
oya ndima ki ba nommé d'abord directeur de cabinet et ensuite ezala ki bongo ya kondima eke ba pesa ye makambo etali oyo eloko ba bengi assemblée nationale. Alors chers compatriotes, lorsque le président Vital Kamel n'accepte pas de mettre en place publique les signatures des Congolais oyo bandimie ke constitution ezala changer, ceci traduit la volonté de Vital Kamel de ne pas être d'accord avec la démarche qui est menée par le chef de l'État ya ko changer nini constitution. Le col accord ya Nairobi ezala ki respecté te Vital Kamel a okansaye ke na 2028 esengeli epe a postulé à la candidat président de la République, le coup la tisekedi a comme président de la République, yepe singela comme président de la République. Mais de l'autre côté, il y a président Jean-Pierre Bemba. Est-ce que Igwe a kondimaye que changement à constitution est salement? Parce que le président Mbosso a si déjà pesa qui position na ye, parti politique na ye basala ki déclaration, bango baza d'accord pour le changement à constitution. Jusque là, il y a Augustin Kabuya. Oyo yazo le bela makambo etali révision ya constitution alors que le chef de l'État azane d'accord pour la makambo etali changement ya constitution. Chers compatriotes, voilà ma démarche oyo Vital Kamel bazalobie ke azali ko bloquer démarche au chef de l'État azako sala. Donc les opposants numéro 1 na kati ya union sacrée o bazako telemela chef de l'État pour a changer constitution te entre autres ezali bongo Vital Kamel. Parti politique naye moko aloba ki ke makambo etali révision ou changement ya constitution a cause se prononcer ce qui questionna e komi na assemblée nationale. Mais au moment où toza koloba il y a déjà des signatures des congolais 100,000 signatures oyo ezali bongo na niveau ya assemblée nationale oyo ba congolais bandima ki vraiment e ke ba changer constitution. Et cette démarche a été menée par les Congolais. Ils ont déposé plus de 100,000 signatures au niveau de l'Assemblée nationale afin que cette institution d'appui à la démocratie puisse accepter à ce que la constitution puisse être changée ou révisée. Mais cette démarche est bloquée. Plus de 100,000 signatures est bloquée au niveau de l'Assemblée nationale par le président Vital Kamel. Et ceci traduit directement que le président Vital Kamel, le président de l'Assemblée nationale, n'est pas du tout d'accord avec la démarche qui est menée par le chef de l'État de donner un instrument constitutionnel qui va s'adapter, qui s'adapterait par la réalité socio-politique, économique et culturelle de la République démocratique du Congo. Cette fois-ci, Tolingito Zwamube Koli Konzi, Oyo, Ezali réellement Yama Congolais. Parce que constitution tozaki nango eza constitution ya ba belligérant, constitution ya ba paya, constitution ya ba Kagame, constitution ya Kabila, constitution ya ba Grande Bretagne, ya ba Américain, ya ba Français, ya ba Suédois, ya ba to oyo bazali ba étranger. Est-ce que je peux continuer maître Gims? Oyo azali na biso nanzela ya technique. Voilà chers compatriotes, Vital Kamel, par ses ambitions démesurées, par ses ambitions contre les démarches que le chef de l'État est en train de mener afin de changer la constitution, le président Vital Kamel bloquerait plus de 100,000 signatures d'Ine Asubel qui souffrent dans les tiroirs de l'Assemblée nationale afin de faciliter la tâche sur la démarche que cet Asubel est en train de mener pour pouvoir donner la possibilité notamment au chef de l'État et aux Congolais de pouvoir obtenir une nouvelle constitution. Tokozonga na makambo soki tozui le susu ma précision susu. Je nous avais annoncé ici Kabila azana kimiate. Dès lors que le chef de l'État le bien que singeli va changer constitution, Kabila kimie zate. Kabila a le bien que singeli a se prononcer. Kabila le bien que Esengeli a se prononcé. Kabila Kolobanini. Vous êtes sans ignorer que le régime de Tshisekedi avait fait la passation
pacifique et civilisée et démocratique républicaine de pouvoir entre la Kabylie et le tshisekedisme. Tshisekedi qui représente nous les combattants, nous les tshisekedistes, et Kabila qui représente les kabilistes, ou alors le kabilisme. Au moment où je suis en train de vous parler, chers compatriotes, Kabila n'est pas du tout à l'aise en rapport avec la question sur le changement ou alors d'une possible ou d'une possibilité, si vous voulez, Yamakambo Etali, changement ou révision ya constitution. Kabila le bien que Tshisekedi, ce qui aligne moto et pela, Tshisekedi a signé ma constitution. Ce qui Tshisekedi aligne que moto et pela, a signé ma constitution. De l'autre côté, d'après ma information, aussi, avant chef de l'État a annoncé volonté naïe. Avant Abanda ko annoncer Magamotali campagne pour un changement de la constitution, déjà Bazako si allait biso que Kabila Abanda ikoluka ko benga chef de l'État pour na ko tunaye makambo Itali ba élection en 2028. Mais le président Tshisekedi Abanda ko zoyé na téléphone te. Ce qui a tali ka appel à Kabila a rejeté téléphone. Abanda ko ya malisusu Kabila na téléphone te. Kabila tini bato plusieurs fois na niveau ya OIA. Kabila utilisé même certains conseillers à chef de l'État pour na kokende ko solana Tshisekedi makambo etali fin ya mandat na ye à venir ya Congo, à venir ya bango mibale politique à la tête de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État n'a jamais été d'accord pour ça. Et au moment où toza ko yebisa bino Kabila Zali prêt, yako sala wabengaka, une adresse devant la nation congolaise. Annonce wana, azo sala yango, pona nini, Tshisekedi, azo linga azwa, troisième mandat. Et Tshisekedi loko azo linga azwa, troisième mandat, akozwa yango ndenge nini, la nana explique yo. Mobe koli konze na biso za koloba eke, mandat à chef de l'État est une fois renouvelable et de 5 ans. Ça veut dire, au sali 5 ans, il y a des bosses et sili. Mboula mital ou etikali ami balé. Ce que sili si, kanga bisaka na yo sanini kende. Mais le col a tozo linga ko changer constitution. Ça, c'est selon Kabila. Nabadeli, c'est Sanga, ba Marte Fayoulou, ba Katumbi, ba Mukwege. Monsieur Sunani, Baza ebele, Bango balobie ki, ce qui Tshisekedi a changé constitution, a kosa la, au-delà même, il y a deux mandats, ou yon constitution sengi, alors, ezo sa la eke, azo a, troisième mandat. Yango bo moni deli se sanga, azo sa la, babengi so surso, patriotisme surso national, pour la route le mela initiative, y a changement, ou bien a révision à la constitution. Et Kabila le bien que ce qui Tshisekedi a kolinga mboka e pela a simba constitution. Ça c'est Kabila qui dit ça. Et Kabila a annoncé iloko ba bengi une adresse devant la nation congolaise. Chers compatriotes, je me demande, Kabila a géré mboka pendant 18 ans. Est-ce que Kabila si la ko violé constitution te? Entre nous. Kabila tikala ko violé constitution te. Les arrestations arbitraires, les tueries avec des fausses communes, les meurtres, les tortures des opposants, l'étouffement de la démocratie, notamment par certains journalistes et par certains acteurs politiques. Ezali ba violation o ezali ya constitution na biso. Sengeli bato ba s'exprimer librement ba droit ya manifestation na époque ya Kabila. Ba marche le lo ba délice sanga ba osale ba ndeko sala matin. Marche ezali so bo sali marche
boza la na mbangwa, oza de yana bleba na yo, oza de yana na papé mouchoir na ni na na mouchoir na yo tango ko yinda ozuble ba otene longi o pakol paske ezala ki ba gaz ko beta ba gaz lacrymogène ezala ki na ndenge a jeté mais le regarder sur Tshisekedi ba manifestation de Salam et Kabila a modifié la constitution plusieurs fois article 77 n'est-ce pas. Article 77 a été modifié sous Kabila. Plusieurs articles ont été modifiés, notamment Makambo et le processus électoral. Tolongo na ma élection, il y a deux tours. Tolongo na ma élection, il y a un seul tour. C'est Kabila qui avait fait ça. En 2006, nous sommes allés aux élections. Nous avons connu l'organisation des élections à deux tours. La constitution a été respectée en 2006 en ce qui concerne l'organisation des élections. Donc, il y a un premier tour, Batunyon Sobazalaki, tant qu'il y a un second tour entre Kabila na Bemba. Debongo Kabila a eu une élection à Gayaki. Mais en 2011, il y a eu un salamakita. C'était la violation de la constitution. Et Kabila a changé qui disposition on a. Bosez là. Nathan et Labino, les articles qui ont été changés. Les articles que Kabila a changé qui en haut. Oh, Kabila a changé qui. O Kabila a changé qui tango zaki na bokonzi les articles nazo luka yango vous allez m'excuser. Alors les articles revisés de la République, non, les articles revisés de la Constitution congolaise sont tozali elle se compose d'un exposé des motifs, d'un préambule, de 8 titres divisés en chapitres regroupant au total 229 articles. Où est le nombre d'articles dans la Constitution Abisso. Elle a été modifiée en janvier 2011 par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision des articles 1, 71, article 110, article 126, article 146, article 197 ou 197, article 198, article 218 et article 226 de la Constitution du 18 février 2006. Vous êtes en train de vous opposer à la démarche que le président de la République est en train de mener de pouvoir changer la Constitution. Mais vous êtes sans ignorer que sous Kabila, même si la constitution n'a pas été changée, mais cette constitution a été touchée. Quels sont alors les articles ou les dispositions constitutionnelles que l'ancien président avec sa Kabylie et son kabylisme ont pu à toucher certains articles dans notre constitution? Nous avons ce qu'on appelle l'article 71, l'article 117, l'article 126, l'article 146, l'article 197 ou alors 197, 198, 218 et 226. Ça veut dire que ici, dans ces articles ici, nous avons un article qui donne la possibilité afin que la Constitution soit révisée. Mais le même article aussi a été aussi révisé. C'est l'article 218. Vous voyez comment la Kabylie avait menti le peuple congolais. Pendant que Kabila est en train de gérer le pays, la constitution a été touchée plusieurs fois. Ici, nous avons combien des articles? 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Plus de 8 articles ont été touchés sous Kabila. Mais aujourd'hui, le chef de l'État a dit, nous ne pouvons pas cette fois-ci réviser la Constitution. Nous devons aller à la vitesse supérieure. C'est comme ça que le chef de l'État pense qu'il est important et c'est une nécessité, une opportunité pour lui, lors du début de ses deuxième mandat, de pouvoir changer cette Constitution. Mais Kabila le bien que Tshisekedi a mekako simba mobe koli konzite. Mais tala, article belé au Kabila revisaki. Mandat na ye, il fallait si la 19 décembre 2016. Kabila respecte yangote. Kodjo a yeawa, a bendelie mandat. Ba évêque, na senko ba ye ba bendelie mandat. Alors que IDPS et les évêques en 2006-2011. Tobanda écouté le Mela Kabila, Makambo Itali, violation, il y a constitution. Kabila n'est pas un modèle en ce qui concerne la démocratie dans Moka Nabiso. Kabila n'est pas un modèle en ce qui concerne la démocratie dans notre pays. Parce que la constitution a été violée plusieurs fois. Nous sommes passés des élections de deux tours à un seul tour. Afin toujours d'empêcher ses adversaires de leur donner la possibilité de ne pas les battre dans une quelconque organisation des élections. Kabila n'est pas un modèle en ce qui concerne le respect de la constitution dans notre pays. Kabila n'est pas un modèle en ce qui concerne la démarche à être ou alors d'être menée sur le changement ou le respect de la constitution. Plusieurs articles ont été révisés sous la Kabylie. Et aujourd'hui, les FCC, les PPRD sont en train de faire des campagnes, de lutter contre la démarche que le chef de l'État est en train de mener afin de changer la constitution ou de la réviser. Honte à vous, vous ne pouvez que rejoindre votre frère, M. Nanga, qui a la rébellion. Et vous nous laissez tranquille avec la République, gérer la République. Parce que Kabila est égal à Nanga. Nanga est égal à Kabila. Kabila est égal à PPRD. PPRD est égal à Afdel. Afdel est égal à Kabila le père. Kabila le père est égal à Kagame. Kagame est égal à multinational. Bref, Kabila est égal à Kagame. Kagame est égal à la désolation, la violation des droits de l'homme, les hostilités, mais également les atrocités et le pillage des ressources de la République démocratique du Congo. La Kabylie n'est pas un modèle en ce qui concerne Makambo Itali Constitution. La Constitution ne sera pas changée. La Constitution ne sera pas révisée. Mais quelle est alors une nouvelle disposition que vous proposez au chef de l'État? Votre peur n'est pas... La peur du PPRD, la peur de l'opposition, la peur de l'alliance fleuve Congo de M. Nanga, la peur de Kabila et consorts n'est pas parce que le chef de l'État veut changer la constitution ou la réviser, soit pour obtenir un troisième mandat, mais leur peur est de voir que le Congo veut désormais avoir une constitution qui va donner au peuple congolais les moyens, les possibilités de développer notre pays en donnant un instrument constitutionnel qui s'adapterait aux réalités sociaux, politiques, économiques et culturels, voire même environnemental dans notre pays. C'est ça la peur du FCC. C'est ça la peur notamment de l'opposition. Et la peur surtout du FCC est de voir que Tshisekedi veut sortir le Congo dans une marmite d'un complot international que les Occidentaux, en collaboration avec les M23, en collaboration avec M. Kagame à l'époque, ainsi que les belligérants, afin de violer les principes de l'intangibilité, mais également de l'intégrité territoriale. C'est ça votre peur. Botika Kabila vanda kimia, s'il vous plaît. Botika Kabila vanda kimia. Botika Kabila avanda kimia. Botika ye avanda kimia. Côté Kabila, Botika Kabila avant d'Akimia. Makambo Itali, révision, changement de constitution. Itali Kabila te.
a sali déjà en tant que chef de l'État à Kei. Si c'est que d'ailleurs, a n'a pas sa mboka, constitution à Sika. Bouti kakabina vanda kimia. Le Wazalendo bloque un contingent Yabami Tuka. Et Uti Uganda, Ezakoya, Tokotanganano avant, Tokotanama explication. Combat Wazalendo M23 RDS AFC ainsi que IPDF. Vers 6h du matin à Kaunga. Dans les territoires de Rutshuru où un véhicule marqué Fuso immatriculation de l'Ouganda est transportant des morts et transportant de renforts du M23 dont les matériels et les hommes des troupes vient d'être tombé dans l'embuscade des jeunes de Wazalendo. Alors, nakosenga na ndeko na biso maître Gims, ce qui possibilité kozala. Alak Sabiso, s'il y a une photo, oyo, je crois que le Wazalendo ont pu à brûler. Hein, Batumbi Motuka, Oyo Kumbaki, ba M23, notamment Awa Tozali na Kaunga. Na Kaunga Tozali na territoire Yaruchuru. Na territoire Yaruchuru, les M23 bakbei na embuscade ya ba jeune Wazalendo, les jeunes compatriotes, Oyo bakei kokuta na kati ya Motuka. Ba soda, ba munition, ba matériel, ou ba zali ko kende ko renforcer ba ba M23. Alors, mutuka boza ko mona wana, eza mutuka oyo ba Wazalendo, ba tumbaki. Et certains M23 ba maîtriser bango, ba misusu ba kotizam ba kimi, mais le Wazalendo ba maîtriser ba o ba kangaki bango, et ba o ba kimi ba kotizam ba, le Wazalendo se dit être prêt et déterminé, ya ko landa bango, ba kanga bango. Bazongi sabango. Alors moi je l'ai toujours dit bato bakangaka bango boye. Ba memi bango na prison awa après bilanga o ya kaya makasisi. Batindi bato wana kuna bakende kusala bilanga. Mais seulement mabena ngo kozaka kake bakozo bandeko na biso ya basi bakobanda kobota na bango pona kotikila bango ba race na bango. C'est ça le mal. Mais soke zala ki problème te bako kosala ba plantation ya ba cacao ya ba maïsi. Je sais pas moi, des haricots, des palmiers, des ananas, des mandariniers et consorts. Batindi batouana bazako kanga kuna, bakendaka. Même yemoko nanga, soki ba zuye, batinda yena ba plantation na kuna kende kosala bilanga. Batinda bango kuna? Batinda bango kuna? Bati na bango kuna? Alors, tozali ko kende muke muke na suka ya communication na biso mokona lelo. Nous sommes en train un peu d'avancer. Il y a celui qu'on appelle le ministre des Affaires étrangères rwandaise. Oh ya lobaki que non non, ça c'est une information que nous gardons. Tokope Sabino en même prochainement, mais je vous l'annonce cela. Le ministre des Affaires étrangères rwandaise, lors d'une interview, a zakolobaye que la France a toujours demandé à Kigali et au Rwanda d'influencer les M23, mais lorsque le gouvernement congolais comprenne que le Rwanda veut influencer les M23, d'écouter ces orientations, ces injonctions, le gouvernement à travers les FARDC nous attaquons toujours les M23. Mais c'est tout à fait normal. Bino batwaza ko agresser biso, bino bozo ya polo collaborer na bango, bo influencer bango. Biso to kanga maboko non.
Voilà pourquoi nous vous avons toujours dit que la France n'a jamais été avec nous. La France n'a jamais été avec nous. Voilà. Merci beaucoup. Et Tokutani Mikolo Oyo Ezakoya. Bye. DJ Stéphane. Balamwange. Congo ya Lumumba Congo. La Fachi Beton. Tangwe Koki Oyo. Tangwango Yango Yo Koki. Tolanda Kango. Papa Stéphane. Balamwange. Oye oh, yeah, ye. Yeah.